Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous présenter une montre de la marque Lipar. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en avoir une et j'en ai trouvé une occasion. Alors Lip, si vous ne connaissez pas, c'est une très grande marque, en tout cas ça a été une très très grande marque au début du XXe siècle qui était le fleuron vraiment de l'horlogerie française. D'ailleurs je vous mets un lien en dessous d'un reportage qui est extrêmement bien fait sur cette marque si vous voulez en savoir un petit peu plus. Cette marque a malheureusement fermé ses portes dans les années 70 et il y a eu un repreneur je crois dans les années 2000 avec l'idée de remettre au goût du jour certaines montres mythiques de cette marque puisqu'elle a été portée par les plus grands, hein. Je pense notamment au général Charles de Gaulle, Eisenhower, Churchill et puis moi maintenant, donc effectivement des grands hommes. Donc chaque montre avait un petit peu, je dirais, une histoire, une connotation en tout cas. Et moi, vous le savez, que je suis très intéressé par tout ce qui est montre, eh bien, je dirais, qui sont orientées aventure, expédition, etc. Donc sur les modèles actuels qui sont très très beaux, vous allez aller voir un petit peu leur page, leur site, il y a vraiment des très très belles montres qui sont à un prix qui est plutôt abordable hein, pour des montres qui sont fabriquées en France maintenant à Besançon. Alors une époque ils ont fait, et certainement celle-ci vient d'une fabrication en Asie, je pense, hein, je ne sais pas en tout cas, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, dans les modèles actuels, mis à part l'Himalaya évidemment qui me parle beaucoup parce que vraiment on est encore une fois dans cet esprit expédition alpiniste, il n'y avait vraiment aucun modèle qui me plaisait, qui me tiltait. Et puis dans le marché occasion, eh bien, je regardais certaines montres et je tombe sur une d'entre elles qui me plaît beaucoup. Et en regardant de plus près, je me rends compte en plus que c'est une Lip. Donc là, j'étais vraiment heureux. Et vous allez voir qu'elle regroupe pas mal de petits détails justement un petit peu là-dessus. Cette montre, eh bien, c'est la montre La Croix du Sud type 10 qui a été faite en hommage à Jean Mermoz. Donc Jean Mermoz, un grand pilote de l'aéropostale que les gens adulaient, suivaient parce que vraiment ses exploits étaient incroyables. Hein. Rendez-vous compte à l'époque, hein, traverser des continents, des océans, un entier en avion, enfin voilà, c'était vraiment là de la pure expédition, hein, traverser des montagnes, des hautes montagnes, enfin voilà, c'était vraiment des exploits sportifs à l'époque. Maintenant on se rend plus bien compte de tout ça, mais imaginez bien à l'époque que c'était quelque chose d'assez fou. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette montre et je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que, eh bien voilà, très heureux de la recevoir, de la voir, en plus dans un excellent état, et bien je suis allé voir mes amis en leur disant bah tiens regarde comment tu la trouves, elle est belle, etc. Et je me suis dit bah tiens, il y a 85 ans, et bien il y a quelqu'un qui a fait exactement la même chose. Et là, bien voilà, les gens n'ont pas trouvé que c'était une montre qui avait un look vintage ou alors un look qui était complètement désuet. Elle passe vraiment partout et je la trouve vraiment très 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 jolie. Encore une fois, c'est un avis personnel, mais on va la voir évidemment d'un peu plus près ensemble. Cette montre, j'ai pu, je vous le disais, eh bien, la trouver en occasion. On est sur un mouvement quartz. Alors je suppose que celle d'origine était évidemment mécanique. Je ne sais pas si elle avait exactement eh bien, le même look, le même logo, parce que ce logo, je crois qu'il est apparu dans les années 60. C'est un logo que j'adore, que je trouve hyper design. Donc c'est vraiment un logo qui va, à mon avis, traverser le temps. Je suppose également que à l'époque, eh bien, on avait peut-être un autre système. Vous allez voir pour l'aiguille, pour faire fonctionner en fait une fonctionnalité précise de cette montre. Et je ne sais pas si cette montre a été fabriquée en hommage à la disparition de Jean Mermoz. Alors sur le site, on nous parle, eh bien, de l'anniversaire de sa naissance. Voilà, a priori peut-être pour ses 35 ans, d'après ce que je calcule, en tout cas de 1900 à 1935. Donc ça, je ne sais pas du tout si ça a été à titre posthume ou pas. En tout cas, ils ont été toujours très très forts, j'ai l'impression, en communication, hein, parce qu'ils surfaient sur les personnalités, hein, le fait de voir une montre sur une personnalité, bien évidemment c'était une pub excellente et forcément celle-ci a dû, je pense, fonctionner parce que son look est très sympa, sa taille est très sympa, vous allez voir, elle a une multitude de détails, en tout cas que moi j'adore. Allez, on va la voir d'un peu plus près.
Alors je suis d'autant plus heureux de vous présenter cette montre parce que il n'y a pas énormément de vidéos. Moi j'ai trouvé une vidéo, il me semble japonaise ou chinoise je crois, sur ce modèle là. Donc ça me permet eh bien, en français de vous montrer cette montre justement française avec ici son boîtier acier, vous voyez brillant hein, évidemment, avec eh bien, l'arrière vissé et puis des inscriptions en français, hein, fond acier étanche, 5 atmosphères, pardon, le logo et puis la petite gravure du bas, on en reparlera tout à l'heure. Étanche, eh bien oui, uniquement à 3 atmosphères. Alors en même temps avec ce bracelet cuir, je pense que je vais même pas me doucher avec, bien évidemment. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un peu plus d'étanchéité, pourquoi pas avec ici une couronne vissée. Là aussi, une couronne que je trouve assez sympa d'ailleurs, qui est vraiment dans le style, pas de l'époque, mais en tout cas voilà, un style un petit peu travaillé. Alors rien de ce côté-là. Alors finalement ce bracelet vert, bah, je trouve qu'il passe bien hein, parce qu'on la voit souvent, en tout cas moi je l'ai souvent vu avec des bracelets type marron, les bracelets cuir marron qui rappellent un petit peu les montres eh bien, Camel Trophy. Et là bah, finalement ce vert, je l'ai porté, je trouve que ça passe bien sur un jean, ça passe bien quand j'ai des couleurs, quand j'ai des éléments couleur moutarde, quand j'ai un pantalon type aubergine, etc. Voilà, ça remet une petite couche de couleur. Donc pour l'instant, eh bien, je vais laisser ce bracelet dessus. Il me convient très bien. Alors une montre qui va faire eh bien, 40 mm de diamètre, qui paraît petite finalement parce que eh bien, le niveau de lecture ici va rester à peu près 25 mm. On voit évidemment énormément d'informations. Eh bien, d'abord, on va avoir eh bien, cette rehausse ici qui est graduée. Eh bien, c'est une rehausse type tachymètre, donc qui va permettre théoriquement eh bien, de mesurer sa vitesse entre deux points, entre 2 km. À l'intérieur, eh bien, on va avoir une autre unité de mesure, un autre graphique MPH, donc miles par heure, hein, qui était peut-être certainement plutôt utilisé dans l'aviation. Hein. On voit aussi nautique, etc. Et à l'intérieur, j'avais même pas fait attention, eh bien, on va avoir encore une fois, eh bien, les points cardinaux, hein, nord, est, sud et ouest. Donc ça, je trouve ça aussi assez sympa. Ça, encore une fois, un petit rappel à cet univers, eh bien, je dirais, d'aventure et d'expédition. Les aiguilles, vous les voyez bien, elles sont assez simples. Alors ça aurait été évidemment sympa d'avoir des aiguilles type altimètre, justement, voilà, pour rappeler un petit peu ce monde de l'aviation. On va avoir le logo LIP que je trouve extrêmement beau. Alors a priori c'est d'après ce que j'ai pu voir, c'est un logo qui est apparu dans les années 60 et je trouve son design juste hyper sympa. Et puis en bas et eh bien ce petit graphique avec eh bien on va voir la croix du sud, l'inscription la croix du sud, en bas et eh bien évidemment des vagues hein, qui vont représenter l'eau, l'hydravion puisque c'était un hydravion qu'il utilisait pour faire ses traversées. Et puis à l'arrière je suppose que ça peut être la silhouette, je dirais, d'une montagne parce que là aussi, eh bien, ils étaient obligés de traverser des cols relativement hauts. Ma question maintenant est de savoir pourquoi ce nom, la Croix du Sud, est-ce que c'est en référence avec eh bien, la constellation, la Croix du Sud, qu'on utilise nous ici dans l'hémisphère nord eh bien, pour se repérer la nuit? Je n'en sais absolument rien. Tous les chiffres de 1 à 12, hein, les chiffres et les nombres de 1 à 12, eh bien, je les adore parce que visuellement, déjà, j'aime cette typo, hein, cette typo un petit peu arrondie. Elle permet bah, vraiment vite de se caler, de lire à chaque fois l'heure. Hein. Ça a l'air tout bête, mais c'est vrai qu'on voit immédiatement sur quel chiffre on se trouve. Elle est évidemment, vous allez voir de nuit, eh ben, extrêmement lisible. Encore une fois, pas des heures et des heures. Et j'ai appris d'ailleurs que c'était LIP qui semble avoir demandé à Pierre et Marie Curie eh bien, une peinture qui était capable de briller dans la nuit. Donc le fameux, d'ailleurs je ne sais même plus comment ça s'appelle, le radium, voilà, en 1898. Hein. Ernest Littmann demande à Pierre et Marie Curie de trouver une matière afin de lire l'heure dans le noir. Ils ont découvert le radium en 1898. Donc voilà, donc, le modèle original devait certainement être équipé de cette peinture-là.
Alors maintenant, petite question, c'est que là, moi, effectivement, ça n'est pas une couronne vissée, hein, je peux juste la sortir et puis régler l'heure, effectivement. Maintenant, l'aiguille, eh bien, des secondes, je ne vais pas pouvoir la caler et la déclencher lorsque je passe sur une bande kilométrique, donc je ne peux pas réellement utiliser le tachymètre. Bon, c'est pas bien grave en même temps. Donc je me demande à l'époque comment ça se passait. Et c'est vrai que cette aiguille des secondes, que je trouve très jolie, très fine, très élégante, elle n'est pas forcément extrêmement lisible. Mais voilà, quand elle n'est tue, ça se passe très bien. Et je vois clairement l'heure lorsque je suis en face. Pourquoi ? Parce qu'on est ici sur un verre qui est bombé. Alors c'est une de mes premières montres avec un verre bombé. Donc on est ici sur du verre minéral, ça c'est très très sympa. Alors je pense pas que ce soit un saphir, mais en tout cas un verre minéral. Donc j'ai évidemment peur de, d'avoir beaucoup plus de chances de me cogner au centre du verre. Ce que je trouve très très sympa, c'est qu'on va avoir eh bien, une petite déformation hein, lorsqu'on incline un petit peu la lampe, hein, un petit effet loop qui est assez rigolo. Et par contre, eh bien, la contrepartie, c'est que lorsque vous avez atteint un certain angle, eh bien, vous n'allez pas pouvoir, à partir de là, voilà, vous ne pourrez plus lire l'heure comme on pourrait le faire sur une autre montre. Hein. Si je vous prends celle-ci, la Avi 8, qui est avec un verre complètement plat, eh bien, je vais quand même encore distinguer, vous voyez, peut-être encore un petit peu eh bien, les aiguilles, alors que là, non. Mais vraiment, ça a son charme, cette petite... Je vous le disais, ce petit verre bombé a vraiment, vraiment du charme. Alors, je vous le disais, ce que je trouve sympa, c'est qu'effectivement, je trouve qu'elle n'a pas perdu une ride. J'aimerais bien, évidemment, voir le modèle original qui était certainement, qui avait des différences, hein, notamment, eh bien, peut-être au niveau du logo. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'elle n'a vraiment pas vieilli. C'est pas une montre qui, je dirais, a pris un coup de vieux. Hein. Comme je vous le disais, hein, 85 ans après, hein, moi, c'est pareil, je suis tout aussi heureux de la porter, de la montrer à mes potes et mes potes me disent pas, bah, tiens, c'est la montre de ton grand-père. Non, voilà, on a vraiment un look que je trouve très, très, très sympa. Alors, c'est dommage qu'elle n'existe plus dans le catalogue actuellement, mais on la trouve encore sur quelques sites. Alors, sur eBay, moi, j'ai vu un modèle, a priori, une réédition de 1997, une réédition spéciale. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a exactement de spécial. Mais voilà, on peut encore la trouver dans plus ou moins bon état. Alors moi, je l'ai trouvé vraiment dans un état excellent. Hein. Tout était, voilà, elle est parfaitement neuve. Et il y a quelque chose qui est assez fantastique avec cette montre. Je ne sais pas si c'est par rapport au mouvement. Alors j'ai ouvert, hein. On est sur un mouvement suisse, le ISA 638, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, quelque chose d'assez petit. Hein. Donc c'est assez drôle d'ouvrir en fait la montre et puis de voir... Encore une fois, tout ce calage en plastique autour et puis au centre, un tout petit élément qui va faire vibre cette montre, mais c'est le tic-tac. Elle a un tic-tac qui est hallucinant. Si vous êtes dans une pièce sans bruit, vous allez l'entendre. Et ça me rappelle évidemment eh bien, mes parents qui avaient certaines montres qui n'avaient pas de trotteuse, par exemple. Et lorsqu'ils voulaient savoir si leur montre fonctionne encore, eh bien, on la portait simplement à l'oreille. Donc, je vais essayer de vous faire écouter avec mon micro. Ah oui, évidemment, il y a juste un véhicule qui démarre. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu. En tout cas, voilà, vraiment un clic caractéristique que j'aime beaucoup. Alors, elle serait tellement bruyante, je dirais, que voilà, à côté de moi, sur la table de nuit, j'aurais évidemment du mal à dormir. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est une très très belle montre qui peut se porter bien évidemment avec tout, hein, avec laquelle on pourrait s'amuser à mettre un bracelet NATO, un autre bracelet, etc. Mais en tout cas, elle n'a pas perdu une ride. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo. Je vais évidemment m'intéresser à d'autres montres LEAP parce que je les trouve extrêmement belles et encore une fois, bah voilà, une marque française, donc c'est assez sympathique tout ça. Et là encore une fois, cette montre dans l'esprit aventure, expédition et compagnie qui convient très bien, je dirais, à mon état d'esprit. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye.